quelles conséquences pour lui au sein du PSG ? Bah, il y a une conséquence immédiate, c'est qu'il est écarté du groupe et que, à mon avis, ses chances d'être dans le groupe parisien pour le match contre Chelsea mardi au Parc sont nulles. De toute façon, le PSG ne veut pas laisser passer ça, hein, c'est évident. Que ce soit d'une infinie bêtise ou d'une infinie maladresse ou d'une infinie gravité, ça ne change rien au problème. Voilà, l'autorité c'est le club, l'autorité c'est Laurent Blanc. C'est évidemment impensable que Corrier joue mardi alors qu'il a reconnu les faits.